sentir la manière d'attraper la boule. Et la manière, là, je gymnastique au sol, c'est là d'enchaîner les éléments acrobatiques sur un tapis ou sur un gazon. Le saut à hauteur se réalise à l'aide d'une corde. Le lancer du poids demande une stratégie avancée. Papa, qui est en train de crier dans la maison comme ça? On dirait qu'ils l'ont branché avec baffle. L'homme quitte l'école en plein midi comme ça là. Hein? Tu viens pour te reposer aussi. Ils sont en train de crier dans la maison comme ça. Hein? Ça là, si je parle, ils vont dire que Sadio c'est plein trop. Hein? Il sait qu'un jour, je vais quitter la maison là-haut. Continue sur les mains. Le saut à hauteur se réalise à l'aide d'une corde. Le lancer, la gymnastique. On va tout voir dans ce monde là-haut. Sadio, pourquoi tu ris? Tu me demandes pourquoi je ris. Tu as quel devoir demain? C'est pas mathématiques. Et puis tu es en train de bosser EPS. Il y a plusieurs types d'élèves. Et maman? Elle est dans la chambre. C'est pourquoi tu es venu t'asseoir devant sa porte pour crier et tu montres que tu es en train d'étudier là. Comme ça, quand tu vas échouer à ton examen là, elle va dire, mon fils a fait des efforts quand même. Toujours je le voyais étudier. Et maintenant, elle va commencer à accuser les pauvres vieilles au village de sorciers. Pourtant, son fils a étudié EPS pour aller composer mathématiques. Ça là, comment ça va marcher? C'est dans quelle maison? On ne peut pas se reposer. Si on ne t'appelle pas pour t'envoyer à quelque part, c'est quelqu'un qui frappe à la porte. Toujours coco, coco, on dirait prison. Coco, ouvrez! Coin, en vrai, vous aimez trop fatiguer l'homme. Avec ça là, comment l'Afrique va aller en avant? Hein? C'est Adeline. Adeline. Mais Adeline, les enfants d'aujourd'hui, je savais. Mais pourquoi tu es revenue? Toi, tu n'as pas dit que tu es devenue grande fille et tu as suivi les conseils de ta camarade là pour aller vivre avec un monsieur? C'est pas une bonne personne, c'est un faux type. Un faux type, hein? C'est maintenant tu sais que c'est un faux type. Sinon, quand tu parlais là, tu faisais comme s'il y avait caillou dans ton oreille. Donc caillou l'a quitté. Mais un faux type, c'est normal. Faux cils, faux fesses, faux teint attire toujours un faux type. Quand on te donnait conseil là, tu dansais ici. Il y a caillou dans mon oreille, il y a caillou dans mon oreille. Tu vas l'huileur. Sadio, qui devant moi je vais rentrer? Adeline, tu vas rentrer où ça? Tu es allé faire ta jeunesse pour prendre grossesse. C'est maintenant que tu connais la route de la maison. Retourne chez ton faux type. Ici là, c'est pas une maternité. Je sais que ça là, si on la laisse là, elle va contaminer toutes ses soeurs. C'est pour venir faire des enfants là maintenant, ici partout, on dirait des poussins. Je veux envoyer ma petite amie dans la maison. Mais depuis là, Sadio ne veut pas aller jouer avec ses amis de WoW. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Sadio, va m'acheter du pain à la boulangerie. Je veux pas peur de Diallo là, hein. Avec ses pains sec là. Et tu gardes la monnaie. Depuis quand
lui là, il connaît, garde la monnaie. C'est pas simple. Sûrement, il a une petite idée derrière la tête. Mais on verra. Il pense que je suis bête. Allô, Sandra, tu peux venir. Je suis chez moi. Donc, c'est pour appeler femme que mon grand frère m'a envoyé à la boulangerie là. Jusqu'à lui dire, garde la monnaie. Je savais que c'était pas simple. Et puis, il dit à la fille, faut venir chez moi. On dirait qu'il connaît le prix d'une brique. Mais, Sadio, tu n'es pas allé payer le pain? Quel pain? Est-ce que ce pain tu veux manger? Tu penses que je connais pas ton plan? C'est pas comme ça, vous faites pour enceinte les filles et après vous dites que c'est pas vous. Les filles aussi, hein? Quand vous voyez un garçon qui peut prendre soin de vous là, vous ne connaissez pas. Hein? Dès qu'un garçon vient devant vous et puis il vous sourit, vous ne cherchez plus à rien comprendre. Vous vous jetez dans ses bras comme ça. C'est pour venir pleurer ici après. Il a des parents même quoi. Toujours ça à l'école. On est parti à l'école, l'année est finie. Dès que l'année est finie, ils ont dit non, cours de vacances. On est parti dans cours de vacances là. Voilà que ça finit maintenant bientôt. Et puis, c'est encore la rentrée. Donc nous, on se repose pas quoi. Ah, partout on danse, Aïcha tremblait, Aïcha tremblait. Maintenant nous, on est concentrés à regarder notre professeur. Hé, c'est quelle manière de s'asseoir tristement sur le sol comme ça? Comme si ton marabout t'avait annoncé que tu vas mourir demain. Et puis ça là, tu vas voir, il est parti draguer même fille avec l'enfant d'un riche. Pourtant, il est vilain et pauvre. Hé, les jeunes d'aujourd'hui, comment quelqu'un de normal va prendre son cœur pour donner à quelqu'un d'autre? Hé, il y a des gens qui ne connaissent pas leur place dans la vie là quoi. On va tout voir dans ce monde là-haut. Hey, Sadio, ils t'ont donné combien pour aller à l'école aujourd'hui? Tu as tout bouffé? Non, il reste 50 francs. Faut partir m'acheter de la cigarette à la boutique. Je veux fumer pour oublier mes soucis. Hey, avant, ils ont écrit sur le paquet de la cigarette. Abus danger pour la santé. Mais ils continuent de fumer. Et ils ont dessiné un homme malade avec des poumons noirs. C'est-à-dire, quand tu vas fumer, tes poumons deviennent noirs. Mais ils continuent toujours de fumer. Maintenant, pour mieux les décourager, ils ont dessiné un homme couché à l'hôpital sur le paquet de la cigarette. Ça là encore, ils continuent de fumer. Peut-être vous voulez qu'on aille vendre la cigarette là au cimetière pour que vous sachiez que c'est au sérieux que ça tue vraiment. Oh, Sadio, pardon, garde tes 50 francs. C'est pas à cause de 50 francs que tu vas devenir docteur ici. Ah, c'est pas mieux. Moi, je ne comprends même pas. Si la rentrée scolaire arrive et le professeur rentre dans les classes, au lieu d'enseigner, ils passent tout leur temps à se vanter, à nous parler de leur vie. Que je suis Mister Nyanya, je viens de Nyanya, j'aime pas Nyanya. C'est quel système éducatif ça? C'est pour dire après que les enfants n'ont pas de niveau. Je commence à avoir faim, oh. J'espère que Adeline a préparé, oh. Celle-là, avec sa grossesse-là, elle est devenue paresseuse. Mais ça là, ça va finir.
dur. Bienvenue. Prends mon argent, va m'acheter chewing-gum à la boutique tout près. Ah ah, Adeline, tu vois que je rentre comme ça de l'école. Je suis fatiguée et en plus, j'ai très faim. Hé, hey, attends même. Depuis quand toi, Adeline, tu m'envoies même? Hé, hey, hey, Sadio, tu vois que je suis enceinte. Je peux pas bien marcher, oh. Ah ah, donc c'est pour me commander, tu es allée te faire enceinter. Si c'est pour ça, Adeline, faut commencer à te faire avorter, oh. C'est pas ça qu'on appelle caprice de femme enceinte, là. Les femmes qui se lèvent à minuit et demandent des choses bizarres à leur mari, souvent même des choses introuvables. Kosadio va m'acheter chewing-gum à la boutique tout près. C'est pas chewing-gum, c'est la gomme à dessin qui est dans mon sac là. Je vais enlever pour toi, tu vas manger. Hey, notre professeur d'anglais là-haut. Regardez quelqu'un qui est venu enseigner l'anglais à des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Et puis lui, il comprend français. Au lieu de nous enseigner en français, il passe son temps à nous parler l'anglais. Go, I don't want to speak French. Ah, nye, nye, nye. Faut le voir, Choco. Il fait bruit seulement dans nos oreilles. Même les anglophones qui sont nés dans l'anglais là, c'est pas comme ça, Choco. Toi, tu es venu nous enseigner l'anglais là. Faut nous parler en français. Tu viens que non, toi tu parles uniquement l'anglais. Cette école là-haut. Hey, Sadio, va te changer et puis tu vas venir. Maman m'a dit de t'aider à faire tes exercices. Ah ah, quel exercice? Je viens de l'école comme ça. Et tu me parles d'exercice. Hé, on peut plus se reposer dans cette maison là-haut. Ça là, je sais que si je décide de quitter la maison là, tu vas le voir faire pitié ici. Sadio, pardon, faut rester. Sadio, pardon. Pourtant, c'est eux qui ont commencé à me maltraiter. Quelqu'un qui vient de l'école sans manger et tu lui parles d'exercice. Hein? C'est quel comportement ça là? Quand on dit que cela n'est pas intelligente la même là. Ça m'étonne pas quoi. Adeline même, depuis elle est enceinte là, genre elle est devenue une reine quoi. C'est pour mettre ses lois sur les gens dans la maison là. Je parle pas haut. Qui vivra verra. Attends même, je vais oublier cette folle là. Qu'est-ce qu'elles ont cuisiné aujourd'hui même? J'espère que c'est pas Adeline qui a cuisiné, oh, parce que celle-là, les jours qu'elle cuisine là, s'il n'y a pas trop de sel dans la sauce, c'est qu'il n'y a pas sel. Avec ça, elle s'est fait appeler grande fille, parce qu'elle est allée se faire enceinter par quiconque ou quelconque. Sadio, tu fais quoi dans la cuisine là-bas même? Tu viens pas faire exercice là? Si je te trouve là-bas, ça va chauffer, hein? Ah ah, c'est quelle manière d'emmerder l'homme comme ça, hein? Si tu étais aussi forte à l'école là, tu n'allais pas aller te faire enceinter et puis quitter l'école. Tu allais rester sage pour continuer tes études. Kosadio, tu vas pas venir faire un SS là? Ah, on t'a vu ici, hein? Ah. C'est quel professeur ça? Toujours histoire, toujours histoire. Ah, on n'a pas le choix, on va étudier quand même. La première et la deuxième guerre mondiale n'ont pas suffi les êtres humains. Ils veulent encore créer une troisième guerre mondiale, oubliant ainsi que lorsqu'on parle d'une guerre, c'est le sang humain qui se verse. Hey, les gens là même quoi. Comment des gens peuvent avoir l'idée d'aller tuer d'autres gens? Hey, pardonnez-vous, vous êtes déjà grands. Vous avez
des femmes ou des maris et des enfants. Nous, les enfants aussi, on veut grandir comme vous. Comme eux, ils sont déjà grands. C'est pour ça qu'ils disent oui à la guerre. Hé, hey, c'est pas la peine, oh. C'est pas moi le père de ton enfant. Je te dis ça une bonne fois pour toutes. J'ai dit, je suis pas le père de ton enfant. D'ailleurs, je suis pas le seul mec que tu voyais. Tout le quartier est au courant de toi. Mais si je compte les jours, ça tombe sur toi, oh. J'ai dit, je suis pas le père de ton enfant. Mais toi là, c'est Dieu qui va te payer. Voilà, quand on te parlait là, ça rentrait pas. Hein? Toi, une petite fille de 4 ans, comment tu peux aller te faire enceinte même? Hein? C'est pour s'asseoir ici maintenant. Quand je compte là, ça tombe sur telle chose. Quand je compte là, ça tombe sur telle personne. Hé, hey, attends. Mais quand je compte encore, on dirait que ça tombe sur Cédric. Hein? Est-ce que c'est pas lui-même? Attends, je vais voir. Cédric. Cédric. Wallahi belay. Les docteurs ont dit que c'est toi qui m'as enceinté. J'ai même compté les jours même là. C'est toi qui m'as enceinté. Quand je compte, ça tombe sur toi. Hé, hey, donc Adeline ne connaît pas le père de son enfant. Hé, hey, celle-là, c'est une honte pour notre famille là-haut. Je comprends pas comment une fille peut aller se faire enceinte et après appeler des garçons pour négocier père de son enfant. Hé, hey. Mais si je compte les jours, ça tombe sur toi, oh. Ça là, c'est pour mentir sur un garçon comme ça et lui donner enfant de quelqu'un d'autre pour qu'il n'a qu'à élever. On va tout voir dans ce monde là-haut. Même la fille de Pythagore ne comptait pas comme ça. Sadio, tu m'as rappelé. Le professeur de maths, quand je compte là, ça va vers lui. Hé, Adeline. Attends, je vais partir. Oh. De la manière, les comptes là tombent sur les gens comme ça là. Faut pas que ça tombe sur moi aussi. Merci de regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Même si vous ne recevez pas de notification, tapez en haut sur la barre de recherche Sarah Tatoun et cliquez sur la partie vidéo. Vous verrez notre nouvelle vidéo. Bon week-end à tous.